Bouche à demi ouverte, elle te souriait. Elle semblait offerte à tous ceux qui passaient. Tout ne peut pas vous faire rire. Vous faites rire les autres. Tout me fait rire, moi. Ça, c'est un truc que j'ai adopté une fois pour toutes. Je me suis plus posé la question à partir de ça. Je me suis dit, voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va décider qu'on pleure de tout? Est-ce qu'on va décider qu'on rit de tout? Ou est-ce qu'on va décider qu'on se fout de tout? Comme j'aimais pas la solution de se foutre de tout, ni de pleurer de tout parce que c'est très crevant, j'ai décidé de rire de tout. Vous n'êtes pas un être libre. Personne ne l'est. Je crois pas que je cherche à être libre d'ailleurs. Hein. J'ai pas dit que je voulais être libre. Pour moi, la liberté, c'est de pouvoir ne rien faire. Je fais ce que j'aime et donc je ne fais rien. Je ne travaille pas, je m'ennuie pas à travailler. Je fais ce que j'aime. Dans mes écrits, normal pour un mec de Vitry. Sur ma feuille, le ghetto, je retranscris. Zigzagant entre le mal et les délits. Je me débrouillard une fois sorti du lit. Au chômage, pourtant jeune et ambitieux. C'est pour nous qu'ils ont créé la NPE. Mais y'a une queue d'un kilomètre pour gagner 3 pépés. Je peux me permettre qu'ils aillent se faire mettre. Alors les bacheliers s'engagent à l'armée. Les pauvres du smicard, y'a quoi s'alarmer? Les bras quoi m'armer? Ça y'en a marmé, un jour les keufs viennent te ramener. Vitrine 9-4 de ma ville, je veux être le prince. Je veux pas te cacher, monsieur le maire est une pince. Ces promesses, y'a pas à dire, y'en a toujours. Rénover les bâtiments, on attend toujours. Et vos monuments à Samba, nous on s'en fout. Soi-disant députés un peu stars, ils s'en foutent. Comme tout citoyen, je suis censé aller voter. Histoire de dire que j'existe dans leur communauté. C'est impossible, quand je vois des frères me noter. Au déboire à Benoît, c'est pas une nouveauté. À la suite, je félicite les gros bonnets l'illicite. Pas d'ingénieur dans mon équipe. On est jeunes et ambitieux, parfois vicieux. Où tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Si tu veux, où tu veux, où tu veux, quand tu veux. Quand tu veux. Ambitieux, parfois vicieux. Où tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Si tu veux, où tu veux, où tu veux, quand tu veux. C'est quand tu veux. On vit en HLM les uns sur les autres. Et les superposés, rien connu d'autre. On a la rage, mais comment rester sage? On vit en marge, on roule et tous barge. Souvent les huissiers à ta porte font éruption. Si tu payes pas ton loyer, c'est l'expulsion. Val de Marne, pourcentage d'immigration aussi élevé que tous mes frères qui mettent en prison.
faut se payer un avocat. Faut plein de Pascal au tribunal. On s'en sort toujours mal. Ça se ressent dans les sentences. On n'a jamais de chance. Les circonstances sont fortes qu'à pénitence. T'as pas réglé des amendes. Le trésor public t'a coincé. Oublie les vacances d'été. Des TIG. Surtout on met la pression. Ta boîte aux lettres est pleine de rappels et d'assignations. Ouais, mec, c'est ça notre vie. Code 94 400 Vitry. Vitry. Maman lui a ses qualités et ses défauts. Peuplé d'artistes et de sportifs de haut niveau. Gros, tous vitriaux. Vitriaux, tous vitriaux. Ce qui me regarde bien. Ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que. Ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que. Ce qui me regarde bien. Ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que. You know to come up, stack, get right, put the gun up, laugh, get nice, split the blunt up, gray, blue, and white, don't run up, remain humble, you see the change when the rains come through, when all the fame ups your game, cause your name's mumbled, the chicks notice, use us like hypnosis, it's ferocious, when broke niggas get focused, the cars come out, bottles at the bar run out, you know you're large when you in car, could dodge a drought, but here's the twist up, with beef and the money mix up, skirts slip up, a few fights, few stick ups, then one little thing just leads to the next, and here come the hot boys to breathe at your neck. Now you gotta pack up, flee from the rest set. Et se retrouver dehors, au printemps, quand on vient d'être viré d'un grand fleuriste de la rue Cambon, et que on se retrouve dehors avec son petit sac en plastique et sa veste et sa blouse dedans, et qu'on se dit j'ai jusqu'à ce soir pour annoncer à ma mère que je suis viré. Quel pied, c'est extraordinaire. Quel culot il faut pour dire ça. C'est pas important d'être le plus grand. Ce qui est important, c'est d'y être arrivé. Mais une fois qu'on y est, c'est pas important de l'être. It doesn't always take that long.
Je vais te dire une intuition. Je vais te dire une intuition en quatrième dimension. Coluche ? C'est pas mon nom, non. C'est une déformation de mon vrai nom, Colucci. D'origine italienne, Colucci. Une énorme tare de pas avoir de l'humour. C'est le pire de tout.
L'intelligence, tout le monde a l'impression d'en avoir assez. Et personne n'a la même. C'est flagrant, ça. C'est un problème de connerie, l'intelligence, en fait. Pas beaucoup de concurrence dans notre métier parce que le principe de l'acteur, c'est qu'on doit pas avoir peur de courir le risque de passer pour un imbécile quand on fait un imbécile sur scène. La majorité des acteurs, quand ils font un imbécile, quand on est assis dans la salle, on se dit tiens, quel acteur. Alors que quand on voit un type et qu'on dit quel imbécile, il est vedette de music hall. Voilà. Oh,
searching, 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 searching. Do you think I'm gonna find? I'm searching, 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 searching for a good friend of mine. I'm searching, 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 searching. Do you think I'm gonna find? Searching, 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 searching for a good friend of mine. Searching, searching, but I can't find. I can't find. Searching, searching, but I can't find. J'ai réussi ma vie à partir du moment où j'ai pas de culture, j'ai pas de diplôme, j'ai pas, je suis sorti de rien. Puis j'ai fait une pièce de théâtre qui a fait rire. Donc à partir du moment où j'ai atteint le but que je m'étais fixé, bon bah j'ai réussi ma vie. Alors après ça, réussir dans la vie, bah, c'est plutôt un inconvénient quoi. Don't feel right.
Vous avez exercé combien de métiers en fait? Bah ma mère en a compté 14. J'ai pas fait les métiers, j'ai été apprenti à chaque fois puisqu'on m'a viré tout le temps. Hein. J'ai toujours été foutu dehors. Inspiré par Molière. Ah, j'en sais rien, je connais pas, j'ai jamais rien lu, moi, de toute façon. Mais vous citez souvent Molière. Il se trouve que j'ai vu une pièce de théâtre à la télévision et je me suis aperçu que si ce type-là était vivant, il serait pas passé à la télé. We'll be right back.
Le problème des comédiens, c'est que 85% sont chômeurs parce que 60% sont pas doués. Sans ça, il y aurait que 20% de chômeurs, ça y aurait pas de problème. Ça serait absolument normal, quoi. J'ai voulu être artiste, je savais pas ce que j'allais y faire. J'ai voulu être artiste parce que j'avais essayé de faire plein d'autres choses et que j'y arrivais pas. Et quand je me suis aperçu que je pouvais être artiste, j'ai essayé d'être vedette parce que quand plus on est né dans la misère, plus on a envie d'être riche, quoi. Thank you.
je serai jamais vedette. Je me suis connu tout petit, alors je sais très bien que je suis pas vedette. Que pour les autres, on le devienne, ça, c'est parce que y a le rêve qui est proposé aux gens et qu'ils ont tendance à accepter comme ça, quoi. Mais pour mes copains qui travaillent avec moi aujourd'hui et que j'ai toujours connu, je serai jamais une vedette. Danser, 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 danser
Que j'ai décidé de faire artiste, j'ai pris une guitare, j'ai appris les chansons de Brassens, du répertoire Yves Montand, à tous ces gens-là. Et alors, je me suis pointé dans les restaurants. Je suis resté 8 jours dehors par un très grand froid, à regarder l'extérieur d'un restaurant avec ma guitare, et je ne suis jamais rentré pendant ces 8 jours. Qui m'a dit oui, c'était un bistrot qui est dans l'île de la Cité. Ça s'appelle le Vieux Bistrot, ça existe encore.
que vous êtes sûr qu'on le fait. J'allais sans fin vers la lumière. Si tu souris, c'est pour mieux m'envahir. Les rayons de tes bras entrouvraient le brouillard. J'en connais des gens qui ont plus de talent que moi qui sont inconnus. J'en connais, moi. Mais sous ça, ça dépend ce qu'on appelle talent. Parce que si on inclut dans le talent l'art de plaire, évidemment, c'est moi qui gagne. Si on ne parle du talent qu'en considérant la qualité artistique, alors à ce moment-là, j'ai pas forcément gagné.
premières choses que doit avoir un comédien. C'est ça le problème. Beaucoup de jeunes comédiens pourraient être stars, mais ils ne pourraient pas être comédiens. Et le métier de comédien, justement, c'est le mélange de culot qu'il faut pour se dire « je vais monter sur scène, mais parler, les autres vont m'écouter ». Et le mélange d'humilité qui fait dire en descendant de scène, quand ça a marché et que les gens applaudissent après qu'on ait fermé le rideau, à ce moment-là, il faut se dire « attention, demain, ça ne va pas être pareil ». C'est pas qu'on est tenté de faire des choses faciles. N'importe quel grand artiste, dans n'importe quel domaine, dans la musique ou dans la peinture, s'il se met à faire quelque chose de facile pour plaire à son public, il se ramasse. Ça n'existe pas, la concession, à ce niveau-là. On ne peut pas dire « je vais faire quelque chose de facile ».
je pense qu'on fait une carrière avec une génération. Je pense que Depardieu, Devers, Miu Miu, Dutronc, Villeray, tous ces gens qui sont là maintenant, il y en a qui m'ont amené, il y en a d'autres que je vais peut-être amener, c'est ce que j'espère.